Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo découverte sur Insurgency en mode coopération. Donc là on se retrouve avec 2, 4, 6, 8 joueurs. Le but ça va être de capturer des points, de pas mourir parce qu'on peut pas respawn, à moins que on capture des points. Les méchants sont apparemment très hardcore. Je vais la mettre en mode solo. Tac. Et bien sûr, si on capture pas le point, et ben on meurt tout simplement. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Il y a des petits coups de lag. C'est que c'est très chaud. Il y en a un là. Je sais pas si... Putain, ça pète sa race. Donc... J'ai vu des joueurs qui couraient de partout, mais en fait, ils vont vite regretter car... Bah, tu peux pas spawn en fait, ils se cassent enfin. J'arrête de jouer à Escape Frontal. Les méchants sont assez hardcore, ce que j'ai compris. Il est avec moi lui. Il est avec moi et je peux pas escalader, faut que je fasse le tour. Putain. On est en train de capturer le A. C'est pas trop mal pour l'instant, je trouve ça cool. Le mieux c'est de jouer avec des potes, hein, clairement. Là, là c'est open bar pour. Là, il faut défendre maintenant. Parce que j'ai compris. Donc, oui, il y a des phases de défense et d'attaque. Donc en fait, ils vont venir de n'importe où, comme par exemple ici. Non, c'est une chaise, d'accord. Ok, bon, là c'est une chaise. Ah oui, tiens, en face là. Tiens, d'en face les mecs. Je prends le pistolet. Je l'ai pas vu lui. Tiens. On va te brûler un petit coup, ça va te faire du bien. Oui, donc ils sont forts, mais ils sont cons aussi, hein. Ça c'est... heureusement d'ailleurs, on se ferait... Bon, bah, de toute façon, dans mon équipe, on est tous cons aussi, donc ils sont pas très... Alors les molotovs, je les trouve super, elles sont très innovatrices dans ce jeu. Par contre, ça dure 20 ans. Je sais pas s'il est mort, je pense qu'il est mort, il est brûlé. Ok, donc faut capturer le point et le défendre un peu. D'accord, si je trouve ça cool. Je trouve ça cool, le mode est vraiment cool. Bon, attends, je vais pas attendre que le molo soit fini. Ils ont des armes un peu cool ou pas? Tiens, regarde, on va prendre ça, tiens. Ah, le viseur, non, le viseur trop grand. Faut un truc un peu plus... Ouais, je vais garder la mienne, tant pis. Allez, on avance sur le point B, on va voir où est-ce qu'on peut aller maximum. Ah bah, on a pris le point B déjà. On va prendre le point C du coup. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de temps qui se rajoute, hein, vous avez vu, il reste toujours 4 minutes. Peut-être qu'on va gagner un ou deux tickets pour spawn, peut-être. Ou pas du tout. Mais... Sniper, ouais. Je sais pas si vraiment la meilleure idée les snipers. On prend la colline là. Ok, on a pris la colline. Behind us, behind us. Ils rush les mecs, je sais pas si c'est vraiment la solution. Hein. Allo, mais l'autre. Je vais essayer de le contourner, je vais voir. New magazine! On est sur le point mort là. On va prendre ça. Capturer. Par contre, niveau munitions, putain, j'aurais pas dû faire ça parce qu'en fait j'ai pas de munitions.
On est bon, Tintin. Bloqué par un ennemi. Putain, il restait un millimètre. Il est où, ce bâtard? Il a... C'est bon. Par contre, faudrait peut-être que je reprenne mon... Ouais, je vais reprendre ça. Sécuriser. Et du coup, on va repartir sur le point D, voilà. Oh putain. Nick Sadara. Oh putain. Ouah, c'est trop bien. Non, franchement, le mode est trop cool. Par contre, tu vas faire le malin, je vais pas te vous mentir. Parce que du coup, vu que tu peux pas vraiment spawn, quoi, quand tu meurs pas, en fait, c'est... Je suis pas au top. Hein. Tant pis, on va se prendre ça. Puis on va venir, on va changer. On a pris le D, il faut qu'on aille prendre le F. C'est pas un truc avec un petit viseur. Moi, il me faut pas de viseur, moi. Ah, ça, on prend des effets comme ça. Ouais, il y a pas de. Non, mais moi, je fais des. Bon, tant pis, on va prendre ça. Qui est allongé là-bas là. On va le voir, ça y est, on l'a eu. Ah, dans le corps, il reste 70 mètres, il reste 4 minutes. Il doit y avoir masse de... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, là, va falloir que... Ah, j'aime pas trop là, le... bizarre comme ça, là, c'est un jeu qui... Oui, on peut pas trop voir là, c'est pas super. Après bon, c'est au goût et aux couleurs. En capture, c'est cool. Il me reste quoi? Incendiaire, il me reste des fumigènes et incendiaire. Donc là, faut faire attention. Je vais mettre ici, on va essayer de voir ce qui se passe. C'est bon, maintenant faut défendre. Ah ouais, là, d'accord, là, donc là on est vraiment... On est que deux, putain, en fait, ça va être compliqué. On est que deux pour défendre, donc là, ça va être chaud patate. Reste en vie, je sais pas si... Oh, il a encore en vie. Pirate dinosaure, ça va être un français, ou pas? Là-bas, il y en a. Merde, c'est quoi ça? C'est quoi toujours le masque? Contourner. Ici on a gagné, mais on a des joueurs qui ont pas back encore. Comme lui par exemple. Ah merde, ils étaient... Bah si... Ah j'ai cru qu'il m'a TK. J'ai cru qu'il m'avait TK mais en fait non. Ah c'est... Il y avait un joueur effectivement derrière mais... Ouais je revois le ralenti plus tard. Donc là ils sont en train de capturer. Et normalement vous voyez si... si capture en fait je vais pouvoir respawn. Et normalement j'espère qu'ils vont me faire respawn avec mes chargeurs entiers. Bah faut qu'ils défendent maintenant.
Donc, je sais pas s'il me reste encore des chargeurs étendus. Voilà, tac, on prend des chargeurs étendus. Là, c'est pas intelligent d'avoir des strats. Enfin, je serais eux, je prendrais autre chose que des snipers. Ah oui, ils arrivent en masse, les mecs. Hein. Ils arrivent en masse, hein, ça rigole pas là. Moi, je prends autre chose que des snipers quand même. Parce qu'à pourtant, un sniper, si tu loues ta balle, c'est comme dans Counter quoi. On avait un sniper, regardez. On va voir s'il arrive à faire quelque chose pour dégager. J'ai déjà joué avec ce mec pirate dinosaure, je crois, ça me dit quelque chose. On va voir s'ils arrivent à faire quelque chose, ça. En tout cas, le mode de jeu pour l'instant est vraiment cool et j'aime bien. C'est vraiment sympa. Après, est-ce qu'il y a plusieurs sur plusieurs maps, plusieurs difficultés, je sais pas. Je pense que plus on avance dans les points, plus c'est chaud patate. Et voilà quoi. Désolé, un petit message. Il a refait la déco lui. Lui il a refait la déco clairement. Ah, il en a vu un. Après il y a les joueurs qui coincent un peu dehors des fois sur les murs donc bon, il faut aller les chercher. Normalement c'est des joueurs inoffensifs. Voilà, on a plus de... Et j'ai mes chargeurs. Just move, stop talking. Ça c'est cool. Donc là maintenant, je pense qu'il faut, c'est là qu'en fait il faut faire le plus attention, c'est quand il y a un nouveau point. Parce qu'en fait quand il y a un nouveau point, les ennemis sont juste là. Et c'est leur chaud patate quoi. 6. Il y en a qui est jamais mort, c'est bien. Il y en a qui, on a vu, qui doit être habitué au mode de coopération. Non, en tout cas c'est cool. Franchement, j'aime bien ça. Il y a le mode matchmaking aussi que j'aimerais bien essayer, mais j'arrive jamais à trouver des joueurs. Ça lance jamais de partie, ça veut dire que ça... Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qui veulent en faire. C'est parce qu'il est pas encore... Peut-être qu'il est encore... Là-bas. Avec son sniper, vous voyez, il peut pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Après voilà, il peut nous aider d'ici, c'est sûr. Il peut nous aider de là. Les gants, quoi. Ah! Mais non! Mais non, je suis bloqué! C'est bon, putain. Enfin, quoi, faut défendre aussi là? Ouais, je pense. Je pense qu'il faut défendre, faut que j'aille défendre les copains. Qui est mort chez nous ici. On peut sortir devant, il a l'air d'avoir une pluie de météorites. On va éviter. De sa grand-mère. Bon, c'est une barrière en dessous là. Stand back, stand back. Ok. C'est l'enfer ici, c'est l'enfer. Faut être focalisé partout. On est dans les smokes, je pense. Donc, je vais les prendre par derrière. Il y a moyen. Par devant, partout. Voilà. Okay, là. J'ai pas de casque, comme vous avez vu, mais. Ah, il m'a eu. Ils étaient sur site. Ils sont combien? 3 en vie? Ah, il y a moyen. On the main place upstairs. 3 people. Allez, j'espère qu'ils vont. J'aimerais bien la faire en une fois cette game là quand même. Pour la première fois et tout, y'a moyen que ce soit sympa. Niveau des scores, j'en ai tué combien? 42, mort 5 fois. C'est cool. Franchement, c'est cool.
52 l'autre. Ah là, il y en a, ils sont chauds patates. Ah franchement c'est cool. C'est cool. Allez, je pense qu'ils vont y arriver, ils sont encore 3. Ça veut dire qu'on est 5 à être morts. Faudrait qu'ils fassent pareil en fait, mais ce serait plus trop un mode coopération, mais genre 8 soldats genre suréquipés, mais vraiment bien équipés, contre des vagues de 15, pas 15 ça ferait beaucoup, mais les... ils sont combien là? 2, 4, 6, 8, 10, voilà, à peu près, ouais 15, allez 15, des vagues de 15 joueurs, mais complètement à poil, genre les armes qui ont, vous savez, des reculs de fou et tout, et ils pourraient spawn à l'infini quasiment. Et nous on aurait juste un seul spawn de possibilité de possibilité. C'est pas sympa comme mode de jeu. Victoire. Voilà l'équipe nationale. Donc on a réussi victoire en checkpoint à se faire un petit. Donc Balocu Tom Fury a tué 10 ennemis avec une arme ramassée. Oui c'est vrai que j'ai ramassé. Et j'ai tiré le plus dans la tête 6 fois. Pour 42 frags ça fait peu. Donc voilà, je tenais juste une petite vidéo découverte sur le Insurgency Mode Cop. Si vous souhaitez jouer avec nous, les Balocs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, c'est très important. Abonnez-vous bien sûr, partagez si vous le pouvez, et achetez le jeu si vous êtes à la recherche d'un jeu comme moi qui j'ai fait une pause sur Escape from Tarkov un petit peu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt, je sais pas pourquoi je fais ça, pour une prochaine vidéo. Ciao !